You are here in one of the four Mediterranean institutes that are constitutive of SIAM. As you know, SIAM has been created 50 years ago to develop the spirit of international cooperation among agricultural professionals in the Mediterranean region, and mainly through providing supplementary education in the aspects of in economic, scientific, and technical aspects, but also to promote joint research and joint development projects. As an intergovernmental organization composed of 13 countries, SIAM promotes multilateral cooperation in the Mediterranean in the fields of agriculture, food, but also fisheries, rural territories development, and we aim at giving a response to the needs that are formulated by our member countries and by the components of the agro-food sector. The students have already completed a whole year of research, and most of them, they have continued to PhD cycles and still wish to continue to PhD cycles. So, accompanying them and supporting them has arisen as a challenge for us, because we feel that as our masters are done within a multilateral and multicultural frame, receiving these young researchers in the institute. Je voulais revenir un peu sur les objectifs particuliers de cette initiative que nous avons lancée, en fait que l'ICIAM a lancée, dans l'idée de faciliter la communication entre les différents instituts, mais surtout entre les différents étudiants et jeunes chercheurs au niveau de la Méditerranée. On voulait créer un espace de dialogue, de discute, de partage d'informations, de partage de connaissances, de partage de culture. Ça a été toujours le cas du SIAM, et c'est encore plus maintenant, en initiant ce travail-là pour les doctorants et les jeunes chercheurs. Mais pour moi, un des mots le plus important dans cette initiative, c'est la publication. C'est-à-dire donner la possibilité aux jeunes chercheurs, aux étudiants, aux doctorants de publier leurs travaux. J'ai participé dans beaucoup de séminaires destinés aux jeunes chercheurs et aux doctorants. Et souvent, j'ai remarqué que les étudiants méditerranéens sont plus ou moins absents de ces événements pour plusieurs raisons. En fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des raisons financières, il y a des raisons de, je dirais rien que pour obtenir le visa. Et puis, il y a aussi des raisons qui sont liées au fait, à la culture même, de rédiger un papier, de pouvoir le présenter, de pouvoir assumer tout ce qu'il y a dans ce papier-là et de le partager. C'est vraiment une des raisons les plus importantes de cette initiative. Ce qui m'a sans doute marqué le plus, c'est l'aspect pluridisciplinaire du domaine. On a parlé d'urbanisation, on a parlé d'eau, on a parlé de changement climatique, bien entendu, d'écologie, de biodiversité, enfin voilà. Donc c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, la pluridisciplinarité du domaine, ce qui est un avantage et un inconvénient, surtout dans les périodes de restrictions budgétaires. Évidemment, on peut toujours se faire renvoyer comme une balle de ping-pong d'un financeur à l'autre en disant que vous n'êtes pas dans la bonne case. Voilà. Mais il faut dépasser cela, car je pense que l'avenir est vraiment dans cette pluridisciplinarité. Eh bien, nos attentes sont des attentes qui rejoignent les préoccupations d'Agrénium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, c'est-à-dire d'établir, de mettre sur la table les grands enjeux liés au domaine agricole, de l'alimentation, face au changement climatique, à toutes les transitions que nous observons dans le monde actuellement. Mes attentes, je dirais, d'une part, avoir l'occasion de rencontrer des jeunes chercheurs, de voir ce qu'ils font, de voir ce qu'ils attendent. Et puis, peut-être surtout de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme interaction entre justement des jeunes chercheurs sur des thématiques très diverses, surtout avec des disciplines très diverses, dans des endroits très différents. Bah, je pense que ça a très bien marché.
il y a une bonne participation et il y a des intérêts de tous les participants. Donc c'est très bien. Nous avoir permis de partager notre savoir, de partager nos connaissances, mais encore plus d'apprendre beaucoup en échangeant nos idées. Mon travail aussi, il parle de système de production, mais de la pêche. Et on analyse des aspects sociaux des pêcheurs et comment ils peuvent rester dans le marché de Méditerranée. Je me suis spécialisée moi dans les maths appliquées, j'applique en agronomie, donc je ne me suis pas spécialisée en agronomie. Et là, je suis là pour vraiment apprendre de toutes les thématiques, tous les panels qui ont été... Les attentes de tout doctorant, c'est d'établir de nouvelles ponts de recherche, de collaboration. Je suis tunisienne, mais je suis en train d'élaborer un doctorat en Italie. Pour le forum, c'était une très bonne occasion pour se rencontrer avec des différents étudiants, des chercheurs de la région méditerranéenne, de parler, de changer un peu des idées, de voir les barrières et les problèmes que nous sommes en train de rencontrer. J'ai déjà parlé avec une fille qui s'occupe du même thème, du même sujet, que c'est le gaspillage alimentaire. Et on était en train de parler avant. C'est un forum qui m'a permis de rencontrer des personnes qui travaillent un peu sur des sujets, sur le même sujet que le mien. Et ça m'a permis de connaître un peu les contraintes et les limites que trouvent les autres doctorants aussi durant leur recherche. Et c'est vraiment très, très intéressant. Ce forum propose une bonne initiative, une bonne opportunité pour moi de rencontrer des gens et de rencontrer surtout mes collègues et mes futurs collègues en tant que doctorant ici. Et ça me permet de mettre en valeur mon travail. Mais c'était une bonne expérience parce que je vois qu'il y a beaucoup de experts sur la thématique de la Méditerranée. Et c'était vraiment un bon moment pour rencontrer les personnes qui vont parler de la même chose. Donc c'est vraiment une bonne occasion. J'espère que ce type de forum va se répéter pendant les années et qu'on a ouvert bien ce type d'expérience.